lettre ouverte au papa dont leur vie se déroule en jachère. Jachère, état d'une terre qu'on laisse volontairement ou involontairement reposer en semant son pas. À vous les marins long cours, les expatriés en terre lointaine, ce que j'ai vécu, les deux, les travailleurs immigrés, les prisonniers de droit commun politique, divorcés, SDF, et j'en passe. Privés de l'amour d'une jolie, des siens, privés de l'affection des enfants qu'on aimerait tant serrer dans ses bras. Vous vivez ces situations probablement pour la raison que la raison ignore. Ce désir immodéré qui dépasse la mesure d'aller voir ce qui se passe au-delà de la ligne d'horizon, pour se trouver emporté par un flux incontrôlable, se transformant au gré du temps qui passe à ses désirs cités plus haut. Il faut alors entreprendre un long sevrage, remplacement progressif par une vie plus stable. Seriez-vous prêt à le faire? Ce sera un long combat contre soi-même. Mais le jeu en vaut la chandelle. Je me suis redevable d'un grand service rendu à moi-même. J'ai vu grandir mes enfants, mais surtout mes petits-enfants. Papou, je suis devenu. Selon mon tableau, mon couple s'est disloqué, désuni, démembré. Je voyage encore dans les moments de spleen, de mélancolie. Je sollicite ma mémoire, qui me livre alors ses meilleurs souvenirs. Le monde est un village.